Le chant imprégné complètement, d'ailleurs c'est Léotard hein, qui l'avait dit quand il était ministre de la Culture, qui regrettait cette époque parce qu'on chantait tout, on chantait tout le temps. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la musique a été enregistrée à partir du moment où on l'a écoutée. On a fait cette chanson parce que vous aviez le poste radio, parce que vous aviez la musique. Il faut dire aussi qu'on avait des distances à faire à pied immenses. Donc, ça met l'énergie. Hein, ça cadence le pas, donc la musique. Et donc, vous avez ici un appareil qui enregistre la musique et qui la restitue, qui est vraiment l'ancêtre du tourne-disque. Hein, ici, on a un tourne-disque qui est déjà de deuxième génération parce que le micro est en dessous. Au lieu d'avoir une trompe, il est posé dessous. Et puis. Une première poste radio, poste à galène, qui était plutôt de celui-ci des années 30. Il faut savoir que le premier qui était donné à Cap d'Agde, tout le monde se retournait, enfin il y avait 30 personnes autour d'une fenêtre ouverte sur la rue pour permettre à tout le monde d'écouter l'information. Voilà. Celui-ci, si on a un petit peu de temps tout à l'heure, je peux vous faire écouter un peu de. Il fonctionne. Hein. Pas extraordinaire d'avoir un tourne-disque qui fonctionne, mais si ça vous intéresse, je vais vous faire marcher. Alors, nous sommes ici au rez-de-chaussée parce que le rez-de-chaussée de la villa est consacré à l'histoire de la ville de Cap d'Agde, avec beaucoup d'archives. Aux deux étages supérieurs, vous allez commencer à apercevoir le tableau de Raymond Aroué que vous verrez avec Madame Pellissier. L'histoire de Cap d'Agde. Je vais mettre un rouleau devant. Ça va boucher tous les deux, pas de fuite d'eau. Chaque fois qu'il y aura un petit trou dans le papier, ça fait une dépression. Une dépression, ça ouvre une petite soupape et ça envoie dans les. Tiens, il disait, vous regardez bien le prêtre tout à l'heure, il y a 88 petits tuyaux qui vont aller souffler les marques. Voilà, la différence avec le piano mécanique, c'était des tiges en fer qui allaient appuyer sur les touches, et envoyer les touches bouger, etc. Que là, on verra rien du tout. C'est moderne, hein. Alors, comme j'ai mis le pédalier ici, les deux pédales qu'il y avait en dessous pour faire du piano forte, on ne peut plus s'en servir. Mais il a reconstitué ici. Et ça donnait à la main. Piano forte. D'accord. Ensuite, on va placer mon dos comme ceci. Pneumatique. Voilà, tous les petits trous sont bouchés. Tous les petits trous sont bouchés. Au début de partition, j'ai toujours un chiffre qui peut changer au cours de jeu, c'est le tempo. Alors ça va pas être vraiment le calcul de la mesure comme on le fait habituellement, 2, 1, 2, 3, 4. C'est simplement qu'on va brider l'air au niveau des pédaliers pour ne pas jouer trop vite. Par contre, je pourrais ralentir et même m'arrêter parce qu'il n'y a pas de réserve d'air. Il faut pédaler tout le temps. Mais j'aurais beau accélérer, de toute façon, il n'ira pas plus vite. Ça sera plus même. Et ça se bridait ici, avec cette petite manette, et ici j'avais un petit curseur. Tu me disais combien j'ai fait un petit curseur, voilà. Thank you.
quelque chose. Les personnages, on va les voir, vous inquiétez.